Voilà déjà son éditeur de niveau. Je crois qu'ici, on voit tout sauf l'arrière-plan. Les objets, les badniks, tous ceux sur quoi on marche. On peut changer de niveau si on veut. Tiens, c'est bizarre ça. L'onglet layout est intéressant parce qu'on se rend compte d'une chose avec lui. L'avant-plan est en fait découpé en morceaux, de 128x128 pixels d'ailleurs. Il y a donc des morceaux préfaits de layout, des morceaux de map si vous voulez, que Sonic Team et les hackers peuvent utiliser plusieurs fois s'ils le veulent. Quand on a une longue ligne droite ou un looping par exemple, vous ne pensez tout de même pas qu'ils utilisent un morceau de layout différent, non? Il y a aussi un onglet pour les objets, mais ils sont classés dans des codes hexadécimaux. Du coup, il vaut mieux avoir un guide de hacking en plus de ce logiciel pour savoir quel objet correspond à tel code hexa. L'éditeur de niveau s'ouvre avec un éditeur de tiles. Là, on voit les layouts qui sont bien en 128x128, contrairement à ce qui est sélectionné. Mais comme justement on peut éditer les tiles de plusieurs résolutions différentes, je suppose qu'on peut aussi éditer les objets ou les personnages. D'ailleurs, regardez la ligne 0 des carrés de couleur, c'est la palette de Sonic. Les carrés bleus sont ceux de sa peau, les deux roses plus loin après les gris sont pour son ventre, et les rouges sont pour les godasses par exemple.